Aujourd'hui, en toute première vidéo, un nouveau concept de la chaîne, hein. 300 classiques équipes 2018. Pour info, il faudra mettre une équipe dans les commentaires, et celle qui aura le plus de j'aime, bah, c'est celle qui sera dans la prochaine vidéo, il y en aura deux par semaine. Et en fin de vidéo, je présente un concept. Alors, on commence avec le Paris Saint-Germain, donc, alors, Trapoka, oui, malgré ses boulettes, hein, il est très bon, très bon gardien. Ensuite, au poste de défenseur droit, hein. Il a coupé récemment. Dani Alves, hein. Très bon défenseur. L'expérience, il est plus gagné avec ses anciens clubs, sauf le ballon d'or, mais il a l'expérience. Ensuite, Thiago Silva, comme d'habitude, hein, capitaine. Le capitaine, il pourrait être très bon défenseur. Hein. Mais... Marquinhos, ensuite, hein, comme l'année dernière, les deux défenseurs français. Marquinhos, Thiago Silva. Un très bon défenseur, Marquinhos. Très rapide. Très bon. Ensuite, on passe au défenseur gauche. Cazarwa, lui, c'est un très bon défenseur gauche. Il est. Il monte en attaque, beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est. Voilà, c'est défense, quoi. Il est jamais là quand. Voilà. Ouais. Ensuite, je vois bien apparaître à côté Fabinho. Parce que je viens de l'équipe. Fabinho, au Paris Saint-Germain, c'est très bien pour lui déjà, il est en PSG. Très bon niveau défensif, hein, il nous l'a prouvé cette année, ouais, avec Monaco. En plus, il marque beaucoup de buts. Après, parce que c'est déjà un revanger. Non, il est plus fort, il est technique, il est bien en passe. On a vu les matchs de préparation, là, contre Milan, je crois. C'est Milan, hein, qui a fait des tagas. Ouais, c'est quand même. Ouais, bah, c'est pas grave. Ensuite, Verratti, hein, lui qui va peut-être prolonger récemment, là, qui va bientôt prolonger. Peut-être. Là, il a un bon moment pour prolonger, mais voilà quoi. Il était confusé par le Barça, mais Paris ont dit qu'ils n'allaient pas le vendre cet été. Mais l'année prochaine, il aura un bon de sortie. Ensuite, je vois bien que Sanchez venir à Paris. Très bon joueur, hein. Excellent même. Il est rapide, technique, il est très fort. Moi, j'aime bien. Ensuite, au poste de buteur, hein. Et le Matador, hein. Il nous l'a prouvé que s'il avait pas de temps, il était là pour récupérer derrière. Il a mis 50 ou 42 de cette équipe. Il est le deuxième numéro de buteur derrière Messi. Très bien rapide. Ensuite, le feuilleton, hein. Neymar à Paris. C'est en bonne voie pour l'instant. S'il signerait, pour l'instant, ça serait le 29 juillet après la tournée du Barça. Mais c'est en bonne voie pour tout ça. Je vous présente à tous. Et avant de l'attendre. Voilà, du mariage est sorti de par l'Inter. Il est déjà bien de sortir, on a pu voir la Juve. Il est déjà sorti à faire. Je sais pas si il va jouer mieux, si il va être déjà sorti. De toute façon, on sait que le Ménier est toujours pas là. Donc, voilà. Le Ménier. Voilà. J'ai pas mis Aurier, parce qu'Aurier, lui, il est chaud. Il est certainement partir, hein, c'est sûr. Bon, je vais vous présenter le concept maintenant. En fait, je vous fais des SDJ, les feuilletons du jour. Et. Bon, je dirai toutes les rumeurs de la semaine, du jour, voilà. Alors, 10 likes et j'y fais. Et surtout, vous faites dites-moi des conseils dans les commentaires, et voilà. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et surtout, abonnez-vous. Allez, peace.